moi j'ai toujours connu les choses de Dieu. Mais je repoussais toujours ça à plus tard. Parce que je me disais que j'étais bien dans ma vie. Que j'avais pas de soucis, j'avais pas d'angoisse. Et puis tout ce que je demandais, ben, mon père me l'accordait. J'ai continué ma vie comme ça. Je me suis mariée, ça a été pareil. Tout ce que je demandais, mon mari me l'accordait. Tout était beau, tout était rose. Et une année est passée. Et puis, quelques mois avant que je donne vie à mon bébé, j'avais ces pensées qui repassaient dans ma tête. Et ces pensées me disaient, ta vie c'est un quotidien. Donne ton cœur à Dieu parce que ton foyer est perdu. Et j'avais ce verset aussi qui me disait, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Peu de temps après, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et il est vrai que quand Dieu vit en nous, il n'y a plus de quotidien. Chaque jour que Dieu nous donne, c'est une expérience. C'est quelque chose de nouveau qu'il apprend à marcher avec lui. Et puis je remercie le Seigneur de ce qu'il a fait dans ma vie et de ce qu'il continue. Que Dieu me bénisse. Marie, ma fille, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix pour tes péchés? Est-ce que tu le suivras dans les bons et les mauvais moments? Par la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia.